Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights de Mask of the Betrayers, cette première extension du jeu principal. La dernière fois, nous avions commencé cette extension, j'ai gardé mon personnage, nous avons rencontré Safia qui nous a expliqué nous avoir trouvé dans cette grotte un petit peu spéciale, un petit peu dangereuse. On a des voix dans la tête, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Et lors d'une rencontre avec un esprit assez important, quelque chose où nous-mêmes avons mangé cet esprit et on n'en sait pas plus. Nous avons évidemment récupéré un golem Imaskari qui, en plus de nous servir de sac de transport pour un maximum d'objets, nous sert de guerrier. Et nous avions du coup terminé le tertre inférieur et le tertre central. Nous allons passer au tertre supérieur où nous étions arrêtés, avec la sortie et cette grande salle qui ressemble énormément à une salle de boss. Sachez qu'il y a une session qui a été tournée de toute cette partie-là et un petit peu après, il y a quelques semaines au moment où j'enregistre, et malheureusement il y a toute une partie de l'audio qui a été corrompue. Du coup, je suis en train de refaire ceci. Mais maintenant que je connais un petit peu mieux le jeu et je sais ce qui attend, je devrais pouvoir m'en sortir. Normalement. On n'est pas à l'abri que je meurs en boucle peut-être à un moment ou un autre. Voilà, surtout mon personnage en fait. C'est surtout mon personnage et il faut que je revoie un petit peu les sorts de Safia. Et j'ai refait plein de tests sur la fusion de son sac. Aucun tuto n'a été trouvé, personne ne sait comment ça fonctionne. Donc je ne sais pas et je ne saurai sûrement jamais comment tout ceci fonctionne. C'est bien dommage. D'ailleurs, Safia, elle a à peu près tout. Je vais rechecker quand même. Ah, il y a des groupes activés. Comment je sais si c'est activé ou désactivé? Affiché. Ouais, ah, ça doit être activé du coup. Les sorts. Ok, et le grimoire de sorts avec tout ce que j'ai, tout ce que je peux mettre déjà. Alors, ça c'est bloqué. Jusqu'à preuve du contraire. Et jusque là, normalement, j'ai dû à peu près tout mettre. J'ai mis des sorts. Ouais, j'ai dû mettre des sorts un petit peu à droite à gauche. Main brûlante. Ça, je vais l'enlever. Ça, je vais le laisser. Et ça, je vais le. Ça, pour le moment, je ne sais pas quoi ça sert. Ça, je vais le garder. Main brûlante, je vais le mettre. Petit sort, toujours utile. Ah, endurance de l'ours. Oh, la constitution bénéficiaire augmente de 4. Mais c'est bien ça. C'est bien ça. Vas-y, je le prends ça. Ça, je le prends aussi. Ça, mais elle a des sorts intéressants là. Comment ça se fait que j'étais pas au courant? Aspersion d'acide, rayon de glace. Bon, ça, je les ai. Non, je les ai pas mis. Bon, bah attends. Petit rayon de glace. Ah, j'ai pas encore. Ok, j'ai pas encore accès à ça. Juste ici, arme magique supérieure, c'est bon. Lenteur, peau d'araignée, rapidité. Ah, extension de durée. Mais oui. Mais oui, mais oui. Je suis en train de redécouvrir des trucs. Ah, mais non, mais ça. Qu'il est bête, pardon, excusez-moi. C'est un passif, ça. C'est un passif. Invisibilité suprême. Ah. Les bénéficie des bonus d'un bonus de camouflage. Intéressant. Et après, je pense qu'on a à peu près. Je pense que j'ai à peu près tout. Ouais. Peau de pierre suprême. Oh. Pas mal.
Ok, tempête, boule de feu, retardement. Allez. Et quelques autres magies intéressantes. Comme j'ai pas l'habitude de jouer magie avec mes personnages. Et bien maintenant, je sais. Je sais à peu près tout. Passage dans les terres, ça sert pas à grand chose. Ah, quoi que, attends. Ah, attaquer ou effectuer une attaque offensive rond le sort. Ah. Ok, très bien. Du coup, hop. On va se reposer. Histoire que tout soit rechargé à fond. Ouais, des sorts puissants, mais pas beaucoup de. C'est bien dommage. Oui. Pas beaucoup de. D'utilisation. On fait avec. Là, il n'y a rien. Et dans la petite salle au-dessus, je crois qu'il y a quand même un petit combat. Je peux vous dire d'ores et déjà qu'ici, il y a un combat qui m'a demandé pas mal de temps. Et là, ça va apparaître. Voilà, ça va apparaître ici. Voilà. Je peux le faire. Ce petit coffre en haut. Ah là 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 là, je le savais. Je le savais et j'avais oublié. Ah bah là, je vais m'en prendre plein, 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 plein. Et ben là je vais mourir du coup. Bien joué. Bien joué Safia. Trop forte. J'ai failli m'en prendre une. Il a des flèches et une amulette. Ok. Bon. Repos. Ah, je me suis fait tendre un piège. Yes. Bon, bah, moi, je vais mourir, hein. Un autre ou si je m'écoutais oui maîtresse, j'aurais pas dû jurer. Du coup le soin, voilà, c'est bien. Ensuite à bas droite du coup.
C'est vraiment des sales bêtes, ces esprits. Très compliqué. Ça ne durera pas. Bah oui, mais non, mais ça fallait pas utiliser le gros sort de suite. Oh là là, les déplacements, toujours un peu complexes. Saphir a gagné un niveau. Parfait. Diamant, Saphir et une armure. Ok. Je lui ai montré son niveau. Non, je vais le faire maintenant quand ça c'est fait. Oui. Je vais pas attendre. Hop. Alors, magie de guerre. Après lancer des sorts en combat en mode incantation sur des fossiles, elle bénéficie d'un bonus de plus 4. Ah, bien, 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 bien. Et on sort. Oui. Changement de forme. Oui, je vais peut-être juste donner. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, je prends. Ouais, pas mal. Ça me paraît un peu trop pété. Ça me paraît pété en fait. La victime perd définitivement. Ah oui, ça rigole pas. Plein d'autres tombes. Moi, j'ai bien envie d'essayer ça. Ça se trouve, c'est ultra pété. Je vais d'ailleurs m'en équiper de suite. Hop. Allez, vu que j'ai... Ah, mais c'est des sorts de niveau 9, ça veut dire que je peux en utiliser qu'un seul... je peux utiliser qu'un seul sort de niveau 9. Ah non, j'ai pas accès au sort de niveau 9. Bizarre. Très très bizarre. Oui. Suivez-moi.
Un pack. Oh, ok. Voilà, le piège. Ok. Bon, et maintenant... Maintenant, c'est là où je dois faire attention. C'est là où je dois faire attention, du coup je vais sauvegarder. Ah, embusqué. Bah c'est la deuxième embuscade. Pour le moment. Ok. Bon, je vais quand même récupérer les pierres. Donc je disais, avant de me faire embusquer. Eh mais encore ? Je me charge de lui. C'est pas mal ça. 3 heures. Donc, je disais, campement. C'est incroyable. Non, mais j'ai pas le droit de me soigner. J'ai pas le droit de me soigner en fait. Mais non, le but c'était pas de claquer un météore. Oula, elle a reçu plein de malus. Déplacer encore un peu plus, hein, dans le coin, là. Ah. Ah oui, c'est vrai. Voilà, garde influence, là, il se passe des choses. À traverser une grande salle, reposer le squelette d'un ours, des rachimites, le dieu, etc. Et nous, c'est ça notre problème. Sauf que j'aimerais dormir et me reposer complètement. Ah, bien. Ensuite, une sauvegarde. Et ensuite, le problème que j'ai, c'est que ce boss est déjà un peu compliqué. Donc. Venez par ici. Hop là. Endurance de l'ours sur moi-même. Pour maxer. Voilà. Maxer ma constitution et. Ma splendeur de l'aigle. On va aussi le mettre sur le guerrier masqué. Et l'intelligence sur elle-même, histoire de booster la magie. Et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à prier que ça fonctionne. Parce que le boss, là, ça c'est déjà un premier boss. Il est dur. Mais j'ai une petite méthode quand même. Je troublais mon repos par son odeur infecte. Partez. Retournez au silence et aux ténèbres. Je suis si fatigué. Je suis Oku, roi des ours. Vivant, je régnais sur le monde sauvage. Mort, je suis le gardien du monde souterrain et je rêve du vent, de la lune et du ciel. Je sais qui vous êtes. Je peux sentir la faim qui vous ronge de l'intérieur. Odeur infecte ou pas, je ne vous laisserai pas lui faire de mal. Que vous importe sa vie, Taïen. Je connais votre vengeance. Le sacrifice est une notion qui vous est étrangère. Vous ne savez rien de moi. Moi, par contre, je sais que votre forme actuelle, malgré toutes ses couleurs, n'est que l'ombre de ce que vous êtes vraiment. J'ai lié et modelé des âmes plus puissantes que la vôtre.
Je sens en vous un orage à peine contenu, Taïen. Pourquoi ne pas révéler vos secrets à votre allié? Peine, douleur et confusion. Et plus encore. Ça suffit. Aucun d'entre vous ne quittera ma tanière en vie. Voilà, et donc la strat c'est de reculer. C'est juste de reculer. Au maximum. Oui. Histoire de le loquer dans ce petit. Dans ce tout petit endroit. Et on verra. Voilà. Et donc du coup. Hop là. On le lock et puis on lance le plus de sorts possible. Ah oui, alors il y a aussi des gens mis derrière, mais c'est pas grave ça. Invocation d'épée, voilà. Attends. Voilà, il faut le truc c'est qu'il faut quand même faire vite. C'est moi où elle attaque. Pas du tout. Lieu. Ici. Et donc là, faut que ça passe. Et ça va passer normalement. Voilà. Impeccable. Et là, il prend cher. Et là, il prend cher. Et là, il prend cher. C'est parfait. Il a pris assez cher. Ça se passe bien, ok, un mort. Lui maintenant. Ici. Non. Agonisant, allez, un petit coup de bâton. Ouais, encore un tout petit coup de bâton. Voilà. Miyoku est décédé juste ici. Et il s'occupe aussi, et on va devoir aussi s'occuper des ours. Hop, j'en prends mon contrôle, mon personnage. Et là, ça devrait mieux se passer. Sachez que je suis quand même mort un petit moment avant de trouver une solution pareille. Et même là, c'est pas dit que j'y arrive. Parce que vous voyez, voilà, il y a encore pas mal de choses qui se passent hein, actuellement. On n'est pas sur le niveau de Kara, qui était quand même assez forte et qui avait pas mal de sorts en fonction de ses niveaux. Et là, je pense qu'il en me reste encore une créature ou deux. Voilà. Oh, bah j'ai gagné un niveau, tiens. Cool. Hop, je récupère tout. Mais là, ça s'est beaucoup, beaucoup mieux passé. Heureusement que je me suis un tout petit peu préparé. Ouais, alors les essences, ça ne sert strictement à rien et c'est malheureux. Bon, je vais passer en 202 PV. Cool. Je vais me mettre à un point de plus en constitution. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Plus 30 PV, impeccable. Et normalement... je devrais pouvoir passer. Ouais, bon. Il reste un ours. Il reste qu'une créature. Ça va. C'est une formalité. Oh la vache. Oh, il y a eu un 67 là. C'est qui a mis 67? Safia. Ah oui, avec son rayon. Oui, bon, bah ça va. Donc là, ça va. C'était juste un boss plus hoquetière quand c'est bien géré. Maintenant, la suite. Et on va sortir du tertre. Et on va le voir... enfin, vous allez voir. Alors ça, je trouve ça très beau. Ça... j'aime beaucoup cette nouvelle carte avec les destinations et les jours de voyage et tout ça. Même si les jours de voyage, je ne vois toujours pas à quoi ça sert. Et même les heures.